Bonjour tout le monde et bienvenue sur Call of Pony en compagnie de votre fidèle et dévoué serviteur Rainbow Dash. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie de The Saboteur. Alors dans le dernier épisode, nous avions récupéré la bouteille de champagne qu'on a rendue à Santos, donc pour qu'il nous donne les antibiotiques pour Luke. Ensuite, Vitan nous a demandé d'aller tuer le traître, donc pour ça on a dû suivre un général allemand qui a rencontré le traître et donc on a abattu le traître de sang-froid. Et donc là, bon, on va continuer tranquillement les missions que nous donne Santos. Et donc, il nous a permis de débloquer le marché noir aussi pour qu'on puisse acheter des armes. Et on a appris qu'il fallait faire de la contrebande, donc péter des miradors allemands, des trucs de propagande et tout, pour se faire du pognon. Voilà, voilà. Et donc là, on va continuer les missions de Santos. Donc là, on doit aller récupérer quelque chose. Du coup, on va faire tous les trucs qu'il a dit, donc péter les trucs de propagande, etc. Bah tenez, là, il y a un truc nazi. Est-ce qu'on peut le péter, ça? Est-ce que je peux le péter avec des coups de poing? Ça m'étonnerait. Bah non, non. On va éviter de taper la dame quand même. Ah, les drapeaux, on peut les péter, je pense, non? Attendez, je vais installer un truc de dynamite pour voir. Non, c'est ce qu'il faut faire. Bah écoutez, on va péter un drapeau, on va voir ce que ça nous rend, ce que ça nous donne. Et 3, 2, 1, boum! Ok, ça n'a servi strictement à rien, donc j'ai gaspillé une dynamite pour que dalle. Merci! C'est génial! Putain. Bon allez, on se casse d'ici. Ok, donc la voiture elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On grimpe ou on récupère un uniforme? On essaie de... Oh! Oh! Oh, oh putain! Mais quel an! Ouh, toi! Alors, toi! Alors, lui, je vais le défoncer, vous allez voir. Tiens! Tiens! Voilà, on va récupérer son uniforme. Voilà, comme ça, on a récupéré son uniforme, donc ça, c'est cool. Prendre le Kruger, non, je m'en fous. On va grimper ici. Allez, hop! J'espère qu'on va pas se faire repérer. C'est bizarre, j'entends des coups de feu là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un entraînement là-dedans ou quoi? Remarquez, s'il y a un entraînement, ça couvrira nos bruits et tout. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, mais oui, il y a un entraînement. Vite, on fuit. Voilà, on se planque un petit peu. Là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, il n'y a rien. Ouais, on va essayer de faire attention quand même. Faudrait pas qu'on se fasse repérer. Ce serait vraiment dommage. Ah, j'ai déjà plus que 3 balles pour ce pistolet-là. En tout cas, il a l'air pas mal, hein, comme pistolet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ok, génial. Mais non, non, lâche. Voilà. Voilà, donc là on est vraiment tout en haut. Oula, là faut faire attention parce qu'il y a un allié juste en... Mais d'où il m'a repéré là? Bon écoutez, on va descendre. Oui, oui. Ah putain, vous n'avez pas amené la voiture au garage. Et merde, faut qu'on recommence. Bon bah ce sera un fail, hein. Bon bah on va retenter, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut faire? Je sais pas, on va voir comment faut faire. Il n'y a pas une autre entrée par hasard quelque part? On va essayer d'y aller avec une autre entrée. Merde. On va essayer d'y aller par là. Tiens, tenez, là il y a une gouttière. À mon avis. Allez, go. Tac, 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 tac. Donc voilà, là on est arrivé en haut. There's the car. Oh, she's a rare beauty. Ok, donc là il y a. Back to Santos without ruining those good looks. Hop, 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 hop. Ok, donc là, il y a des Allemands. Attention, les amis. Faut faire très attention, parce que là, ils peuvent nous voir. Donc, on va essayer de faire péter. Mais putain, mais c'est qui me voit, là? Hein? Putain. D'où il me voit? D'où il me voit? Sérieux? On va se mettre ici plutôt.
Voilà. Oh là là, on est bien là pour faire péter ces bidons explosifs. Voilà. On a pété les bidons. Donc là déjà... Non! Mais putain! Ah putain! Il a volé la voiture. Ah bah c'est mort. Putain, oh, je déteste les trucs comme ça, sérieux. Bah du coup, moi je pense qu'on va y aller en bourrin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va y aller en bourrin. Ouais, allez, on va y aller en bourrin parce que moi, ça, ces trucs, ça va m'énerver sinon. Donc on va y aller en bourrin. Je vais buter un connard de la Wehrmacht. Non, non, non. On va pas buter un mec de la Wehrmacht. Par contre, on va... Je vais directement aller voler la voiture, vous savez quoi? Parce que franchement... bon, apparemment... Dans les deux cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'officier allemand qui a pris la voiture. Donc peut-être que si on prend, si on bute en premier l'officier, que ça devrait aller. Donc écoutez, on va essayer comme ça. Ouais, on va essayer comme ça, on va voir. Voilà. C'est lui là, lui là. Let's see if I can get her back to Santos without ruining those good looks. Voilà, lui là. Putain! Vite! Mais putain! Mais non! Mais je lui ai tiré une balle dans la tête là! Il aurait dû mourir! Mais sérieux! Putain! Ah, oh, ça y est, ça va me gonfler! Sérieux, ce genre de truc, c'est ce qui m'énerve! Vas-y, là c'est bon, là vous m'avez énervé! Voilà, je vais démolir vos gueules là! Putain! Ouais bon, ça sert à rien de faire comme ça, c'est bon, j'ai compris, ça sert à rien de faire comme ça. Pff, ah ouais, super, génial. Putain, mais sérieux, je lui ai tiré une balle en plein dans la tête à l'officier allemand, là, il aurait pas dû se barrer. Il a même pas de casque. Il avait même pas de casque. Comment est-ce qu'il a pu s'en aller? Putain, voilà, on va pas acheter de diplôme sur une mission quand même. Bon, vous me direz, c'est moi qui suis bidon aussi, hein. Je veux dire, ce genre de jeu, je connais pas du tout, donc voilà quoi. Ah, mais ça m'énerve de jouer comme une vraie mule comme ça, sans déconner. Ah là là. Moi, je vous propose de buter directement le mec, en fait. Vous savez quoi? On va faire ça. On va buter directement ce connard. Voilà, lui, là. On va le buter directement. Voilà. Voilà! Et maintenant ils peuvent pas prendre la voiture. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, là on s'en tire plutôt bien là. Vous trouvez pas? Et merde. Voilà! Voilà, maintenant je vais aller la récupérer cette putain de voiture. Ah, ça fait mal, hein, j'espère. J'espère que vous avez bien eu mal, hein. Allez, maintenant, on va prendre la voiture et on va se barrer. C'est parti. Allez, go. Et ouais, je vous l'ai mise. Bon, allez, on va se dépêcher de fuir. On va sortir du cercle. Et merde, fallait qu'il y ait une voiture, fallait qu'il y ait une moto d'allemand. Allez, on va lui rentrer dedans. Allez, hop là, au revoir. Putain, il y a vraiment un barrage allemand. Vite, 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 on va s'en aller. Et on va leur rentrer dedans. Voilà, un peu d'action. Voilà, et on va leur faire un demi-tour. Ah la vache, c'est dur de fuir hein, quand même, mine de rien, dans ce jeu. Hein. Allez, hop. Là, vous me direz, on a un meilleur contrôle de la voiture, mine de rien. Voilà, on est sorti. Ouais, on est sorti, les amis, on a réussi. Wouhou! Bon, après 4 tentatives hein, quand même. Hein. Oh, je suis vraiment désolé, c'était minable. Ça, c'est un dérapage bien contrôlé. Allez, on va s'en aller d'ici tranquillement. Oh, pardon, monsieur. Je suis désolé. Vous avez remarqué, les Allemands, quand on tue des innocents, ils en ont absolument rien à foutre, quoi. Quelle bande de salauds. En tout cas, je suis content. On a récupéré la voiture, ça, c'est cool. Yes! Fou! Oh, c'était pas de tout repos quand même, hein. I hear General Lutz is in the market for a new set of wheels.
You have done this before, haven't you, Irishman? Me? Stealing cars? Oh, don't be ridiculous. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge un peu sèche. Just in case you ever need a place to store a car, stop by one of my garages. My customer service professionals. Ah, ça fait du bien. Excusez-moi. Like what? Body repairs, custom upgrades, vehicle storage, you name it. We will be happy to serve all of your automotive needs. Moi, je m'en fous de ces trucs-là. Of course. Oh, that's grand. I'll see you around. J'en ai absolument rien à foutre hein, de ça, mec. Mission accomplie. Yes. Pourquoi? Par contre, pourquoi? Ok. Bon bah ça c'est fait. Bon ok. Donc là on l'a vu. Bon bah on va aller voir. Apparemment maintenant faut qu'on aille voir Luke. Donc on va aller voir Luke. Ouais, franchement moi ces trucs là les gens, je vous le dis tout de suite, ça m'intéresse pas hein, les voitures et tout. Moi je fais pas le jeu pour les voitures. De toute façon ça sert pas à grand chose. Vu qu'on change de voiture beaucoup de fois. Ah, un marchand d'armes. Je vais peut-être acheter des munitions pour notre pistolet. Toi, je vais te racheter aussi des dynamites. Ensuite, on va acheter des munitions. Pistolet avec silencieux, munitions. Alors moi, je veux des munitions, moi. Ah, c'est ici les munitions. Voilà. Munitions pistolet avec silencieux. Voilà, c'est ça. Hop, hop. Et hop, voilà, comme ça on a récupéré des munitions. Ensuite, ça c'est quoi? Carte de la zone de Paris, je l'ai déjà prise. Voilà. Bon, comme ça on a récupéré des munitions et ça c'est cool. Alors, Luke. Ah bah le voilà, Luke. Ah bah t'as l'air d'aller mieux. Tell me, Sean, how did you like your first taste of revenge? I may give up whiskey. Probably not. How would you like to meet some new drinking buddies? Who do you have in mind? The Germans are holding several POWs not far from here. Veteran soldiers of the Foreign Legion. Very dangerous man. Their leader is a man named Crochet. Crochet, okay. If we can win his loyalty, the others will follow. And you want me to bust these blokes out so you can put them on the payroll? Will that be a problem? I'm used to breaking out of jails. Breaking in will be a piece of piss. Ok, allez jusqu'au cage. Bon, bah c'est parti. Oh, non, ça a l'air d'être encore une mission d'infiltration. Mais là, ça devrait aller mieux parce qu'on a acheté notre, on a acheté nos munitions pour le pistolet silencieux. Donc, on va essayer. J'ai bien dit, essayer d'être discret. Je ne vous promets rien, d'accord? Alors, ne m'en voulez pas si on va y aller à la manière bourrine. Bon, alors, vous me direz là. J'adore. On a essayé d'être discret. On n'a pas réussi. Au moment où on a été bourrin, bah si l'autre il avait pas sifflé, bah on aurait été discret si on avait eu plus de munitions silencieux. Donc comme quoi, hein, vous voyez, en fait, faut que je dise l'inverse de ce que je veux faire. Comme ça au moins, je serai tranquille. Alors là, on a racheté de la dynamite, donc on va péter ce panneau de propagande. Ça nous fera de la contrebande, je crois. On va aller péter ce mirador, tiens. Comme ça, on va récupérer des points de contrebande, déjà, ça c'est cool. Voilà, contrebande, allez hop, plus 20. Donc là... Ah, il y a une voiture, là. Là, il y a des Allemands, là. Donc, je vais faire attention. Écoutons, lui, on va essayer de se le faire au silencieux, celui qui est tout là-bas. Il est invincible ou quoi, lui? Vous avez vu le nombre de balles que j'ai dû lui mettre? Là, normalement, il y en a un. Voilà, c'est bon, il est mort. Bon, on va aller déposer de la dynamite sur leur mirador, à eux deux, là. Non, dynamite. Hop, voilà. Alors, dynamite, 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 dynamite. Voilà. Maintenant, on va aller sur le deuxième mirador. Qui était là-bas. Est-ce qu'on peut sauter, là? Oui, on peut sauter. Ça, c'est bon, ça. Attendez, d'abord. Voilà, le mirador a été pété. Ensuite, bon, bah, lui, il n'y a pas besoin de dynamite. Quoique. Non, c'est bon, on l'a détruit. Donc ça, c'est parfait. Tiens, là-bas, il y a un marchand d'armes, encore. Est-ce qu'il y a un autre mirador en coin, j'ai l'impression? Parce que regardez, sur la carte... On va aller voir. Ouh. On se croirait presque dans Yamakasi. Alors, on y va. Oula, je me suis bloqué à moitié, là. C'est quoi, là? Ah mais non, mais en fait c'est des caisses qui sont représentées... Attendez,
J'arrive pas à péter la... À péter la caisse, c'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, y'a un truc qui est représenté là sur la carte, un carré blanc. Ah, ah, ça c'est bien ça. Voilà. Comme ça j'ai eu des munitions. Il y a un fusil là-dedans, mais le fusil on s'en fout. Ouais, on s'en fout du fusil. Bon, alors, on va aller à notre objectif. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Alors, par ici. Ouais, on va aller par là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde par ici, n'est-ce pas? Aïe, ça fait mal. Alors, ah, notre objectif, il est là-bas en face. Bon, j'aurais pu prendre une voiture, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé, voilà. Bon, là, apparemment, il y a des Allemands. Là, il y a un camion allemand. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai compris. On va se mettre un peu plus loin, on va prendre la carabine et on va péter ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ok, on a alerté un allemand, mais... C'est bon, l'a empêché de sonner l'alarme. C'est pas mal, ça. Ouh là là, vite, faut qu'on sorte de la zone, faut qu'on sorte de la zone de suspecte. Voilà, parfait. Là-haut, il y a un mirador. Oui, on va faire un petit peu d'annexe en même temps, faire les missions annexes, ça sert toujours. Donc là, on va aller péter ce mirador. Alors, il n'y a pas d'allemand là sur le balcon, parce qu'il ne faudrait pas se faire avoir lamentablement par un allemand qui est caché sur un balcon, ce serait dommage. Voilà, lui là. Allez, on va prendre la dynamite. Et on va exploser cette tour. Vous êtes prêts? Allez, on va se mettre bien gentiment juste ici sur le balcon et puis on va observer tout ça. Ouh la vache, il aurait pu nous repérer. Mais il est pas tombé le mirador? C'est quoi ce délire? Bah, pourquoi le mirador il est pas tombé? Non, on va remettre une dynamite, hein. J'espère que cette fois ça va marcher. Hop. Attention. Il y a des Allemands là en bas. Ok, ce mirador ne veut pas se détruire. Ah non, c'est la DCA! Regardez, c'est la DCA qu'il faut détruire! Ah bah oui! Quel abruti, mais quel abruti! J'en ai marre d'être un handicapé comme ça, je vous jure. Ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Je vais détruire la DCA. Allez hop! Oui, je vais détruire la DCA. Et voilà. Maintenant, on va vite descendre. Hop. Comme ça, ça c'est fait. Donc, on a pété une DCA. Boum. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes en zone suspecte. Donc, on va sortir de la zone suspecte quand même. Il n'y a rien dans les caisses comme ça. On sait jamais. On va vérifier au cas où. Les coups de tête qu'ils donnent dans les caisses, c'est un truc de dingue. Bon, là on va... Y a pas une tyrolienne dans le coin? Parce que là, si on descend ici, on va se faire voir. Ah, là, il y a une tyrolienne, là. Donc on va essayer de la prendre. Voilà. Et hop là. Allez, on va descendre ici, hein. Hop. Voilà. Bonjour. Je ne fais que passer. Bonjour. Bonjour. Apparemment, ils sont foulés de nous voir. Et si on le tuait? Il a l'air paniqué le pauvre, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il a l'air complètement paniqué. Bon, on va le laisser tranquille. Ah ouais, ok, il m'a donné un avertissement en me tirant dessus. Bah écoutez... Tiens, voilà. Eh bah, eh! T'as voulu... Oh, une carabine à lunettes! Oh, c'est énorme, vous avez vu? Une carabine à lunettes! Ah bon, on la ramasse, hein. Oui, je la veux. Vite. Ouh. Oh, c'est énorme. On a une carabine à lunettes. SS se déguiser. On se déguise? Bon, allez, on va se déguiser en SS. Hop.
Voilà, comme ça déjà on est un peu moins repérable. Oh mais on a ramassé une carabine à lunettes, c'est énorme. Bon, déjà là on a, notre équipement commence à prendre de l'ampleur. Si je vais par là, non on va prendre le pont parce que sinon on va galérer à remonter. Donc on va aller prendre le pont. Oula, là on va ralentir. La personne qui me voit là je crois. Allez, on va le buter lui. Voilà. Il va sonner l'alarme ce con. Il sonne pas l'alarme. Vous avez vu, il sonne pas l'alarme. Yes. Ça c'est pas mal. Et merde, ils ont sonné l'alarme. Dommage pour nous, ils ont sonné l'alarme. Bon, je vais installer. On va quand même installer de la... J'ai plus de dynamite en plus. Bon bah écoutez, on va fuir. Hein. On va fuir, 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 on va fuir. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, calmez-vous, on fuit, on s'enfuit. Allez, on se dépêche. On va faire ce qu'on peut hein, pour fuir. Bon, c'est... Wow, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Ah, mais là, on s'y prend comme des nouilles. On va monter, on va monter, on va aller se planquer dans une planque parce que sinon on va jamais y arriver. Et bien sûr, il y a un balcon. Voilà, et donc s'il y a un balcon, ça veut dire que je vais devoir aller sur le côté. Mais putain, allez, dépêche-toi, j'ai pas envie que tu meurs, moi. Allez, 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 allez. Oh, vous avez vu là, il y a des trucs de propagande. Ça va, heureusement, on se prend pas tant que ça de dégâts. Vous allez me dire heureusement parce que sinon, voilà quoi. Elle est où la planque là? Enfin, ils disent qu'il y a une planque, mais je la vois nulle part. C'est ici? Elle est où leur. Ok, elle est là. Vite. Piece of cake. Pouh. Eh ben, dis donc. Avec la petite musique qui se remet en place, après j'adore. Where were we? Bon, et ben voilà. Ah, c'était un peu tendu hein, comme phase, hein. Mine de rien. Alors. Là, il y a quelque chose. On va y aller pour voir, tiens. Parce que je sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Oh yeah! Bon, non, je vais mourir là. Oh putain. Son of a bitch! C'est quoi ce délire? Ah ok d'accord, point de vue découvert. Ah c'est un point de vue ça? Oh j'ai cru qu'on allait mourir. Attendez on va remonter. Vous savez quoi, on va s'amuser à récupérer les petits carrés blancs là parce que ça a l'air d'être utile mine de rien. Alors là je présume que c'est ce truc là. Donc on va voir ce que je peux faire, si je peux le péter. On va regarder. Oui là on fait beaucoup d'annexes, hein. Je suis désolé si on fait pas beaucoup de missions. Bon... J'ai vraiment envie de faire le jeu, d'en profiter au maximum. Parce que j'avoue qu'il me plaît vraiment énormément ce jeu. Putain, connard d'allemand là, il m'a repéré. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, il m'a pas repéré. Et comment je fais pour les péter ces trucs? Comment je fais pour les péter? Hein? Comment je fais? Je les pète à la main. Je fais comment? Ça se passe comment? Je vais pas les. Comment on fait pour utiliser les. Comment on fait pour utiliser les grenades? Est-ce que j'utiliserais bien une grenade pour le péter? Attendez. Attendez. Il y a sûrement un moyen d'utiliser les grenades. Attendez, j'essaye de trouver. Attendez, j'essaie de trouver comment... Comment on utilise les grenades? Non, c'est pas ça. Bon, je vais aller dans les options pour voir parce que ça me titille, ça. Ça me titille. Commande. Excusez-moi, on perd du temps encore. Je suis désolé, je suis navré. Lancer grenade. C'est A. Ok, donc c'est le bouton A. Ok, bon, maintenant je voudrais me barrer parce que si la grenade... Elle... Et ça n'a servi à rien. Et ça n'a servi à rien. Super, très utile, merci.
Ah, je suis carrément déçu là. Si je tombe ici, normalement, je vais me rattraper à la tyrolienne. Voilà! Eh! Eh! On gère! Allez, vite! On se corse. Ouais, je prends vraiment mon temps, les amis. Alors, là, il y a un mirador là-haut, mais on n'a plus de dynamite. Donc, on ne peut rien faire. Oh, on arrive dans une zone en noir et blanc. Attendez, je regarde. Ouh, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Bon, bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Bon, partie pas très palpitante, et j'en suis désolé. Mais bon, on aura fait une petite mission, on aura fait du secondaire. Donc, voilà, quoi. On va continuer tout ça dans la prochaine partie. Et je vous abandonne dans une zone en noir et blanc, en plus. Bon, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, et surtout, n'oubliez pas, combattez pour Ponyland! Allez, à la prochaine, tout le monde! Gros bisous!